Bom, primeiro dizer que é uma boa iniciativa. A Federação. Déjà, tout d'abord, c'est une excellente initiative que, de la part de la Fédération, essayer de capter, d'élargir la base de données de joueurs binationaux. Donc ce stage a été très positif. Là, on finit par le match de demain. Je pense que c'est une excellente initiative qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc on a vu des jeunes de qualité, des jeunes qui ont envie de représenter leur pays. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et j'espère de tout cœur de revoir cette initiative le plus de fois possible, pour le bien du football camerounais. Il faut qu'on donne de la consistance à ce projet, donner de la vitalité à ce projet. Il faut se donner tous les moyens pour que le football camerounais puisse évoluer. Et c'est avec ce genre d'initiative qu'on arrivera à avoir le maximum de joueurs et augmenter la qualité des joueurs pour le football camerounais. C'est un excellent projet, il faut vraiment le continuer. Donc c'est un lot de joueurs très intéressant, on a vu pas mal de qualités. Maintenant, il y a les coachs de la formation, des U20, avec les responsables et des U23. Ils pourront comparer tout simplement la qualité de ces joueurs avec ceux qu'ils ont déjà l'habitude de voir en sélection et augmenter le lec d'options pour l'équipe nationale. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif et il faut, comme je l'ai répété, il faut le continuer dans le temps. Alors moi, ce que je peux dire à ces joueurs, c'est qu'ils ont faim de pouvoir créer leur carrière, de construire leur carrière. Pour construire leur carrière et atteindre leur objectif, ça donne beaucoup de travail. Ce que je peux leur dire, c'est que c'est vrai, il y a de la qualité ne suffit pas, il faut qu'ils arrivent à se surpasser et à montrer vraiment qu'ils ont envie de faire une carrière. Il faut vraiment qu'ils se battent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le niveau est abordable, je dirais ça dans ce sens-là, parce que c'est pas en un jour qu'on va essayer de voir comment ils sont. C'est vrai qu'il y a eu des sélections qui ont été faites et il faudrait qu'ils soient confrontés à une opposition pour voir déjà à quel point, je dis, on peut apporter quelque chose à cette équipe, à ces jeunes joueurs binationaux, parce que je pense que le but aujourd'hui, c'est de pouvoir les avoir et de les mettre un peu en condition, de voir comment est-ce que il faut, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. C'est déjà une motivation, le fait qu'ils soient venus, qu'ils arrivent et ils montrent leur volonté, leur envie d'être avec les équipes nationales du Cameroun. Donc c'est déjà à les féliciter. Bon, maintenant le niveau, on progresse, c'est des jeunes qui vont progresser. Et bon, je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Vraiment, c'est une nouvelle, comment je dirais ça, c'est quelque chose vraiment de déceptionnel. On l'a autant réclamé, mais je pense que chaque chose a... Chaque début a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, ce stage-là, je pense que c'est l'un des stages les plus... Ça va rester dans l'histoire, parce que ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, ça se passe. Nous qui sommes des entraîneurs, l'entraîneur de U23, je ne sais pas, ça fait 3 ans ou 2 ans, je ne suis pas en activité. Donc le fait de venir et rencontrer autour un staff qui est complet, il y a le sélectionneur de l'équipe première qui est là, il y a le sélectionneur de U20 et le sélectionneur de U23, c'est historique et c'est tout ce qu'on demande pour que nous soyons, c'est pas seulement lorsqu'il y a des compétitions qu'on doit être en activité, mais il faudrait que ça se prépare avant et je pense que vraiment je remercie beaucoup les personnes qui ont eu cette vision de pouvoir faire cette rencontre.